Chacune et chacun d'entre vous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Génération La date aussi à l'Éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. Et aujourd'hui, nous allons parler ensemble du travail et de transition écologique. Quelle place mon métier occupe-t-il aujourd'hui dans ma vie Comment puis-je redonner ou trouver du sens à mon activité professionnelle Alors, comme chrétien, on va faire un pas de plus et essayer de savoir ensemble comment nous pouvons mettre nos compétences au service de la transition. On en parle tout de suite avec nos deux chroniqueurs, Marie-Hélène Lafage et Alexandre Masson. Marie-Hélène Lafage a cofondé en 2016 le café Simone à Lyon. Elle est aujourd'hui consultante et formatrice en transition écologique dans la région lyonnaise. Marie-Hélène a aussi créé l'Institut Transition, un lieu pour accompagner les personnes qui souhaitent mettre leurs compétences au service de la transition écologique. Alexandre Masson est jésuite et a rejoint en 2022 l'équipe de l'éco-centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. Il travaille aussi à mi-temps au lycée Saint-Marc de Lyon comme animateur en pastoral, où il accompagne de nombreux lycéens dans la construction de leur parcours d'avenir. Le, ouais. <laughs> ouais. le soleil s'est caché. Bonjour Claire. Salut Hélène, Alexandre. Bonjour Claire. Merci d'être avec moi, on va s'installer en plateau Allons-y. C'est parti. Allons-y. Marie-Hélène Alexandre, on est ici pour parler d'écologie intégrale et du travail. Marie-Hélène, pourquoi est-ce que c'est important dans une démarche écologique de se questionner sur son propre rapport au travail euh, Si on revient de l'encyclique du pape François, euh, c'est vrai qu'avec le tout est lié, il nous invite à, à, à repenser l'écologie en termes de relations, c'est-à-dire comment je peux grandir euh, autrement euh, dans euh, ma relation à la création, la relation à l'autre, la relation à soi et la relation à Dieu. Et du coup, si on regarde ces quatre relations-là, la question de comment je grandis dans ces relations, on voit que euh, le travail est au cœur de l'écologie intégrale, puisque ça nous ramène justement à, à ces quatre grands types de relations. Et donc ça pose un ensemble de questions euh, qui sont des questions de sens, qui sont mmh. des questions d'épanouissement personnel et de, et de cohérence personnelle derrière sur les choix qu'on a euh, en matière de travail. Il y a une étude qui a été publiée en 2023 par le collectif pour un réveil écologique et qui a été faite sur des jeunes de 18 à 35 ans qui donnait deux chiffres intéressants. D'abord que 85% des travailleurs euh, interviewés disaient que la place du travail était importante pour eux dans leur vie. Et ensuite que la moitié d'entre eux disaient que si leur employeur ne s'intéressait pas assez aux questions écologiques, ils partiraient de leur emploi. Alexandre, qu'est-ce que ça t'évoque, ces chiffres pour moi, c'est révélateur de, du fait que la préoccupation écologique aujourd'hui devient de plus en plus importante, en particulier pour la jeune génération, et qu'aujourd'hui, sans doute légitimement, beaucoup de jeunes attendent de leur employeur, c'est-à-dire de celui qui a une responsabilité, un pouvoir d'agir, un pouvoir d'organisation de son équipe et de mmh. son activité, et bien qu'ils prennent vraiment en compte cette question. Voilà, ça, je, je dirais que ça, ça dit ce, ce désir fort de beaucoup de jeunes de voir un monde changer. Voilà. Marie-Hélène bah Oui, il y a des attentes aujourd'hui vis-à-vis du travail qui sont, euh, qui sont nouvelles et qui sont fortes sur l'écologie, mais comme il y en a aussi vis-à-vis -vis de ce qu'on consomme ou vis-à-vis d'autres domaines, pour les jeunes, c'est particulièrement fort parce que c'est l'âge aussi où on choisit et où quelque part on prend des décisions de vie. Et du coup, c'est les moments où ces questions-là de sens, de l'orientation que je veux donner à ma vie, de comment j'essaie d'être cohérent, elles sont aussi très très fortes. Je vous propose maintenant de regarder un exemple très concret de faire la connaissance de Blandine de l'Assus. Elle, depuis ses premières années professionnelles, se questionne sur le sens de son travail. Écoutez. J'ai fait des études de droit, parce que dans ma famille, on fait des études de droit de génération en génération sans me poser aucune question. J'ai commencé à travailler dans un cabinet d'avocats fiscalistes. Et là, je me suis rendu compte que je vivais un écart tellement énorme entre le sens que je voulais donner à ma vie et ce que je faisais au travail. J'ai commencé à me poser des questions euh, et ensuite, euh, j'ai repris des études de RH pour faire des ressources humaines. Et ensuite, je me suis reposé des questions et, et en fait, je crois que c'est vraiment toutes ces questions euh, qui m'ont amenée petit à petit euh, à, à prendre la décision de devenir maraîchère. Mais encore aujourd'hui, je continue à me poser des questions donc je ne sais pas euh, ce, que, ce que je serai peut-être dans 2, 3 ans. Alexandre, qu'est-ce que ça t'évoque, ce témoignage-là ben, Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'a dit Blandine, c'est qu'elle voilà, fait part de différentes expériences par lesquelles elle est passée, et puis elle dit qu'elle s'est beaucoup questionnée. Et ben, moi, c'est quelque chose qui me. Et elle dit qu'elle continue à se questionner. Et, et voilà, moi je dirais que c'est quelque chose qui me marque et, et qui résonne pas mal avec ce que dit le pape François, notamment dans son dernier texte sur l'écologie, l'Odate Deum. Il dit. Euh, voilà, Posez-vous des questions, quel sens de votre vie, quel, au service de quoi vous mettez votre effort, vers où vous voulez aller. Quoi. Et euh, je trouve euh, inspirant voilà, d'entendre de, quelqu'un qui, qui, qui témoigne de cette démarche dans laquelle elle euh, se trouve, sans pour autant avoir des réponses à tout. Alors un autre exemple à présent, je vous propose qu'on aille à l'autre bout de la planète, en Australie, pour rencontrer Manon. Elle travaille à Get About Able, qui est une entreprise qui travaille à rendre le secteur du tourisme plus inclusif pour les personnes. Euh, porteuse de handicap. Manon a fait une école de commerce, ensuite elle a décidé de travailler dans l'économie sociale et solidaire, l'ESS. Pour elle, c'est un bon compromis entre l'entreprise et le milieu associatif. Donc j'ai commencé par une entreprise d'insertion en région parisienne. J'étais commerciale et ça a été une très belle plongée dans l'économie sociale et solidaire pour moi. Je me levais le matin en sachant à quel projet je contribuais et je croyais sincèrement au sens de ce projet et à ce qu'on faisait. Et du coup j'ai plus jamais voulu lâcher ça. En fait, dans les missions que j'ai trouvées derrière, même en partant en, en Australie, j'ai trouvé une boîte de l'économie sociale et, et solidaire locale. Donc ma boîte actuelle s'appelle Get About Able. Dans les rapports quotidiens, bah d'avoir une équipe qui est motivée et qui est convaincue que ce qu'elle fait a du sens, bah ça change tout. Ça permet de faire des choses en termes de dynamique d'équipe qui sont souvent assez puissantes, parfois assez assez surprenantes dans un sens positif. Actuellement, ça change aussi beaucoup de choses pour moi parce que dans mon entreprise qui donc accompagne le secteur du tourisme et du loisir à devenir plus accessible et inclusif aux personnes en situation de handicap. Euh, parce que ça fait partie de la vie que de pouvoir euh, se détendre, <laughs> prendre des vacances. <laughs> euh, voilà, c'est important aussi. Dans mon entreprise, j'ai beaucoup de personnes en situation de handicap avec lesquelles je travaille. J'ai cette chance-là. Et c'est pas souvent le cas <laughs> que les entreprises ouvrent leurs portes euh, aussi largement à des profils euh, de personnes en situation de handicap. Et je trouve que ça apporte une diversité des forces et des, des, des questionnements. Auquel je pense je n'aurais jamais été confrontée dans une entreprise, on va dire, classique en termes de RH. Et on ne vit pas dans un monde de binozounours. Ce n'est pas toujours tout mignon, tout facile et, et tout beau. Mais euh, si je dois faire un bilan au quotidien, c'est très très largement positif et une très belle expérience d'apprentissage et d'humanité, globalement. Donc oui, ça change un peu tout. <laughs> Marilène on l'entend avec Manon, mais même aussi avec Blandine. La réflexion qu'on a sur le sens qu'on veut donner à son travail, c'est souvent un processus de plusieurs années. On peut se réjouir quand même qu'il y ait des entreprises comme celle-ci qui, qui puissent répondre aux besoins de, de sens des employés, non Je trouve qu'on peut se réjouir aussi quand on les entend, parce que, en fait, toutes les deux, c'est quand même des exemples inspirants euh, et euh, des personnes qui sont heureuses dans leur travail, qui trouvent du sens, euh, qui trouvent une cohérence personnelle et où leur travail répond. Autant à une quête d'utilité de dire mon travail a un impact positif dans la société, sur le monde, etc., que aussi d'épanouissement personnel. Et, et du coup, on retrouve vraiment ces deux dimensions-là sur le sens au travail dans leurs témoignages, avec aussi la question de comment mon travail me relie au monde et comment il me relie aussi aux autres, avec ce qui est très bien dit par Manon sur les relations aussi au travail et comment le travail est une autre manière de faire société de se resituer dans la société et c'est là aussi que le travail euh, trouve son sens. Alors pourquoi lier mon travail à l'écologie intégrale Est-ce que je peux mettre l'audat aussi dans mon boulot On va en parler tout de suite et réfléchir ensemble avec vous Marilène et Alexandre. Alors, Marie-Hélène, on le disait tout à l'heure, tu travailles à l'Institut Transition et tu nous dis que la question du sens du travail, en fait, c'est large, ça déborde la question écologique. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qu'il y a de particulier qui se joue aujourd'hui autour de la question écologique Effectivement, le travail, c'est il y a la question du sens parce que, comme je disais avant, il y a la question de l'utilité de ce qu'on fait et du rôle que ça a dans la société. Et puis, il y a la question de l'épanouissement personnel. La question écologique et les questions sociales, elles vont venir appuyer sur cette quête de sens. Parce qu'on peut se retrouver dans des situations de dissonance entre euh, mes convictions personnelles et ce que je vis au travail, voire se poser la question euh, de l'inutilité de son travail, euh, ou même de trouver son travail euh, nuisible. Et puis euh, en, en dehors de questions après sur euh, comment moi je me sens dans mon travail, qu'est-ce qui m'apporte personnellement. Mais en tout cas, les questions écologiques et sociales viennent appuyer de manière particulière sur ces questions de quête de sens au travail. Mais alors selon toi, avec les personnes que tu accompagnes, d'où vient cette quête de sens qui est liée aux questions écologiques chez eux ce qu'on observe, c'est que c'est à la fois des, des choses qui peuvent arriver dans les parcours de vie. Euh, ça peut être des moments de rupture dans la vie, ça peut être une maladie, ça peut être aussi l'arrivée des enfants, euh, ça peut être plein de choses qui arrivent dans la vie qui font réfléchir. Ça peut être aussi des engagements bénévoles, euh, des prises de conscience euh, des personnes. Donc tout ça qui vient nous chambouler en fait dans notre dans notre rapport au travail. Mais plus fondamentalement, à l'Institut Transition, on a essayé d'identifier euh, cinq quêtes de sens. Qui traverse toutes les personnes euh, dans leur travail. Et donc, il bah, y a d'abord la quête de sens proprement dite, qui est euh, est-ce que je me sens en cohérence euh, dans ma vie par rapport à mon travail Il y a une quête d'utilité, est-ce que ce que je fais euh, est utile Il y a une quête de lien, c'est-à-dire comment mon travail il me relie aux autres, il me permet d'être en relation, de faire des rencontres. Euh, et puis après, il va y avoir euh, euh, une quête de découverte, c'est-à-dire qu'à travers le travail, on apprend. Euh, Est-ce que le travail me stimule en fait dans ce que je découvre Et enfin, une quête d'aventure, c'est-à-dire comment euh, mon travail, j'ai l'impression qu'il participe à quelque chose de plus grand que moi et euh, quelque chose euh, qui me dépasse, qui, qui est important. Et en quelques mots, Marilène, qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'évoluer professionnellement dans le sens de la transition écologique et solidaire euh, on a parlé avec Blandine, c'est vrai qu'on est souvent dans des, dans des schémas, quand on en parle, de ruptures assez fortes avec des personnes qui sont ingénieurs, qui vont élever des chefs dans le Larzac, Je fais très caricatural, mais en fait, il y a beaucoup d'autres configurations. Et donc, ça peut être des personnes qui euh, essayent de discerner sur est-ce que je peux transformer ma structure et comment. Donc, ça, c'est un vrai discernement. Euh, donc, bah, notamment euh, à l'Institut Transition, il euh, y a à un moment donné une année. Euh, euh, Karine, qui était là, qui est une personne qui essayait de transformer la chaîne d'hôtel dans laquelle elle travaille. Mais après, ça peut être aussi. Euh j'ai euh, des compétences, j'ai envie de les investir autrement, euh, au service d'autre chose. Donc euh, bah, Elsa qui fait de la communication et qui a choisi de mettre ses compétences-là maintenant au service euh, d'une association qui travaille sur l'accès euh, de toutes et tous à l'alimentation. Euh, et puis après, il euh, y a des personnes aussi qui vont davantage changer de domaine, changer de métier, euh, monter une initiative. En fait, c'est vraiment euh, propre à chacun euh, et il n'y a pas une trajectoire unique euh, de transition professionnelle. Merci beaucoup. Alexandre, je me tourne vers toi maintenant. On a parfois du mal, comme chrétien, à faire le lien entre sa vie spirituelle et son travail. Est-ce que tu peux nous rappeler le lien entre les deux Je dirais qu'il y a deux choses qui me viennent pour répondre à cette question. La première, c'est d'abord de prendre conscience que la vie spirituelle, ce n'est pas simplement quand je vais prier le matin ou quand je vais à la messe le dimanche ou aux grandes fêtes. Mais que, en fait, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est appelé à se déployer dans toute notre vie et qui a une unité qui se fait petit à petit entre ce que je, mon action et puis ce qui me nourrit intérieurement. Euh, et puis la deuxième chose, c'est que euh, dans la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, verset 15, euh, Dieu, il dit, il donne à, à Adam euh, l'homme le, le soin de garder et protéger, euh, protéger et cultiver le jardin protéger et cultiver le jardin dans lequel il a mis. Et ça dit bien que euh, la place de l'homme dans le jardin, ce n'est pas simplement de respecter ou de regarder ou de contempler, euh, mais c'est aussi de s'y engager, de faire fructifier euh, les dons reçus, oui. euh, de mettre en valeur la création de Dieu. On pourrait même dire peut-être de co-créer, voilà, d'être au service de cette création. Euh, et donc je me dis, bah, ça peut être une manière aussi d'entrer euh, dans son travail, dans le sens de son travail, de s'envisager comme co-créateur. En quoi est-ce que je suis co-créateur En quoi est-ce que j'aide à, à déployer la potentialité des personnes que je rencontre, euh, des projets que je mène, etc. En quoi est-ce que je, je favorise la vie euh, autour de moi et donc bah, certainement comment est-ce que aussi j'y participe moi-même Alexandre, quand on est chrétien aujourd'hui et qu'on veut être dans une démarche de transition écologique, est-ce qu'il y a des entreprises ou des métiers qu'il faut ou ne faut pas investir Dit autrement, est-ce qu'aujourd'hui on peut vraiment être chrétien et travailler chez Total par exemple Alors merci pour la question. Euh, je dirais que d'abord on va avoir besoin de beaucoup de métiers différents pour réaliser la transition. Et donc, a priori, le champ est large. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts des scientifiques, des juristes, des agriculteurs des religieux, sans doute, peut-être, j'espère, aussi du côté de la transition intérieure. Donc je pense qu'il y a une grande diversité de métiers, et c'est ça la première chose à poser, mm -hmm. et que chacun est invité à trouver la manière dont lui-même va s'engager et va servir à la transition écologique et sociale, va prendre soin de la maison commune, comme dirait le pape. Euh, mais d'un autre côté, bah, je pense qu'il y a aussi un travail de lucidité, de discernement à avoir, et de se rendre compte qu'il bah, y a des activités qui vont être appelées à croître des métiers euh, d'avenir, et puis il y a aussi des métiers ou des activités qui vont décroître. Tu utilisais l'exemple le, le, de Total, qui est une euh, entreprise pétrolière, euh, dont le modèle économique est basé sur l'exploitation des ressources naturelles, en particulier le pétrole. Et bien on peut penser que dans un monde... Euh, Post-crise euh, écologique et sociale, une fois que le monde aura fait la transition qu'on qu désire et qu dans laquelle on est engagé, et bien ce type d'activité euh, aura fortement diminué, voire disparaîtra, voilà. puisque euh, l'exploitation du pétrole, du gaz, d'autres euh, ressources naturelles émettrices euh, de, de, de CO2 est une des raisons ou la principale raison euh, du réchauffement climatique. Alors Alexandre et Marie-Hélène nous ont donné des bonnes raisons de mettre davantage notre travail au service de la transition, mais concrètement comment ça se passe, comment on fait, on va voir ensemble maintenant des pistes individuelles et collectives. Nous retrouvons maintenant Blandine de la Suisse qu'on voyait en début d'émission. Elle et son mari ont décidé de quitter leur job à la défense dans des bureaux pour devenir des gardiens de la création. Alors, voici leur nouvelle vie aujourd'hui. Je vous propose de regarder ce reportage de Yacine Siassi et d'Hélène Derveillé. Moi, j'ai été émerveillée par Arthur en le rencontrant, qui m'a toujours dit « je ne veux pas avoir de crise de la quarantaine ». C'est quand même un, un mal de notre société qui est le reflet du fait qu'on n'ait pas le temps de se poser de questions sur le métier qu'on veut faire, alors que le métier est hyper constitutif de ce qu'on est. En réfléchissant, on a eu envie de mettre les mains dans la terre. On s'est dit, mais c'est incroyable tous les deux, on sait faire des tableaux Excel de fous, mais en revanche, on ne sait pas faire pousser notre nourriture. Et c'est pourtant quelque chose de fondamental et quelque chose aussi dont la société a besoin, une nourriture saine et respectueuse. Aujourd'hui, j'ai trois emplois. Je suis donc maraîchère, éleveuse de poules pondeuses. Je m'occupe des ressources humaines du campus de la transition, une association juste à côté, et je m'occupe de chevaux le week-end. Je me demande vraiment si euh, l'homme avec un grand H est fait pour avoir une seule activité. Mais euh, en tout cas, moi, je trouve un épanouissement euh, considérable dans le fait euh, justement de passer du maraîchage à mon ordinateur, euh, à m'occuper des chevaux. Je pense en fait qu'on a été capable de prendre le risque. Euh, de passer à euh, je dirais notre vie d'avant à aujourd'hui euh, parce que euh, c'était pas des tiraillements qu'on ressentait mais c'était une vraie tension intérieure et j'ai vraiment l'impression qu'il faut pour moi que mon travail euh, donne du sens à ma vie et, euh, et c'était plus le cas On est en maraîchage bio. On est en maraîchage sur sol vivant, ça veut dire qu'on ne touche pas le sol et en gros les vers de terre c'est nos meilleurs ouvriers. Quelque chose moi qui me tenait vraiment à cœur, c'est de montrer que le métier de maraîcher, d'agriculteur, est un métier désirable. En s'installant en tant que maraîcher, nous on avait quelques objectifs. Le premier, c'était d'avoir un salaire décent qui nous permette de vivre au quotidien. Un objectif bien sûr de sobriété, parce qu'on sait très bien que euh, le salaire euh, de maraîcher ne permet pas euh, d'avoir un train de vie euh, mirobolant. Et euh, le fait de euh, garder de l'épanouissement au travail et donc d'avoir un temps de travail qui euh, respecte euh, le sommeil dont on a besoin, le temps dont on a besoin pour euh, passer du temps euh, avec d'autres. Je crois qu'aujourd'hui je ne pourrais vraiment pas revenir dans ma vie d'avant. Avant, Avant j'avais l'impression de travailler euh, au développement d'une entreprise. Aujourd'hui, euh, je, je travaille à mon développement et au développement euh, de la Terre. Et ça, euh, enfin, ça, pour moi, ça a énormément de sens. Donc aujourd'hui, euh, je crée le monde que j'aime. Marie-Hélène, on entend dans ce que nous dit Blandine qu'elle, elle veut avoir à la fois plusieurs activités professionnelles et en même temps être connectée à la Terre. Est-ce que c'est un besoin que tu retrouves souvent chez les gens que tu accompagnes à l'Institut Transition Effectivement, si je reviens sur les cinq quêtes que j'ai évoquées avant, on voit vraiment que Blandine, par exemple, la quête d'utilité, elle en parle beaucoup. Dans cette quête d'utilité, il y a aussi est-ce qu'on réussit à voir l'impact des actions qu'on a Et avec l'informatique, aujourd'hui, c'est souvent un questionnement des personnes. Elle le dit, on est derrière des tableurs Excel et on ne voit pas forcément les conséquences de ce qu'on fait. Il y a aussi la quête d'aventure qui est forte chez elle quand elle dit à la fin « je construis le monde que j'aime ». On voit aussi cette contribution forte qu'elle a. Et puis, ce que je trouve qui est beau et qui est aussi présent, c'est en fait quand elle dit Je ne suis pas sûre qu'on est fait pour exercer un seul travail en fait, c'est la question large de comment je contribue dans ma vie à construire des choses qui sont positives. Mais en fait, ça passe par le travail salarié, mais il y a d'autres formes de travail aussi. Ça peut passer par l'engagement bénévole et en fait, ces choses-là ne sont pas forcément séparées. Ces différentes manières d'œuvrer à différents endroits et qui nous nourrissent, qui s'alimentent et qui, à un moment donné, prennent différentes formes. D'ailleurs, on peut très bien passer d'un engagement bénévole à un moment à un engagement salarié, en ce moment. Alexandre, ça peut peut-être sembler à certains assez radical ce que nous dit Blandine là. Est-ce qu'on est tous appelés à faire les mêmes choix qu'elle, aussi radicaux bah, euh, Ce que j'aime bien dans ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, elle a fait des, des vrais choix. Et on peut dire aujourd'hui, c'est peut-être parfois quelque chose qui manque, c'est d'oser s'engager, d'oser poser des choix risqués qui peuvent faire peur. Elle a quitté un boulot, quelque chose d'assez stable, de connu. Elle part à l'aventure, et donc on peut dire, bah oui, en ce sens, il y a une radicalité, d'oser quitter pour aller vers quelque chose d'inconnu. Ça me fait penser à plusieurs figures bibliques, à Abraham, qui, euh, à qui Dieu dit quitte ton pays, va vers la terre que je te montrerai. Voilà, ben, on ne sait pas vers où il va, mais il fait confiance. Et le Christ nous invite aussi à le, à le suivre radicalement dans oui, l'Évangile. Donc euh, ça fait vraiment aussi écho à tout ça. Voilà, il y a. En enfin, écho à ce que dit Marie-Hélène. Euh... Euh, le, cet homme qui dit à Jésus euh, « Mon père est mort, euh, laisse-moi l'enterrer, je te suivrai après. » Et Jésus qui lui répond euh, « Laisse les morts enterrer les morts et toi, euh, voilà, suis-moi. »– Donc une radicalité à la fois belle et donc nécessaire. – Voilà, donc je dirais, c'est sûr ouais. que c'est radical. Après, quand on l'écoute, euh, moi je n'ai pas le sentiment qu'elle vive quelque chose de si austère que ça. Elle a l'air plutôt heureuse de ce qu'elle fait, une grande diversité. Elle dit bah, voilà, « J'ai trois activités, les chevaux, euh, les poules pondeuses et le maraîchage, euh, un boulot de RH au campus de la transition. » Euh, elle vit dans un cadre agréable. Euh, elle a l'air d'avoir du temps. Elle dit que c'était important pour moi d'avoir euh, un temps euh, de travail euh, bien défini. Enfin, donc, euh, une radicalité, c'est sûr, mais une radicalité pour, euh, pour la, le bonheur. Hein. C'est ça qu'on cherche. Oui, merci. Alexandre, je vous propose maintenant de passer à nos témoignages et d'écouter euh, ce que nous dit Fabien Secher, Pierre Larotteau et Pierre Guillet. Ils nous racontent tous les trois comment euh, ils aident les autres à remettre du sens dans leur travail. 84%. Une enquête récente montre que 84% des Français et des Françaises voudraient passer à la semaine de 4 jours. Je crois qu'on est très très nombreux à vouloir un nouvel équilibre, à vouloir en même temps un travail, un vrai travail, où on fait des choses intéressantes, on travaille avec d'autres, on participe à la création du monde, on gagne sa vie, on est indépendant, et en même temps on veut du temps pour soi, pour sa vie personnelle, sa vie de famille, un engagement associatif. Il y a besoin de nouveaux modes de vie. C'est déjà ce que disaient évêque, les évêques de France en 1982. Dans son dernier livre, le pape dit qu'on a besoin d'une révolution. Il dit qu'un système économique qui écrase les gens, qui écrase la planète, il est poli. Il ne dit pas que c'est de la merde, mais il dit que c'est le fumier du diable. Le fumier du diable, ça veut dire que ça sent pas bon. Et le pape François nous invite à faire une révolution. Il nous dit qu'après la crise financière, on avait dit qu'on allait tout changer, et en fait, on n'a pas changé grand-chose. Et maintenant, il nous dit qu'après le Covid, si on n'est pas capable d'aller vers de nouveaux modes de vie, c'est qu'on est nul. Et je crois que le pape a raison sur ce point comme sur d'autres. On passe 70 000 heures dans une vie au travail. Moi, à chaque fois que je relis ce chiffre, je me dis que ce n'est pas possible de les gaspiller dans une entreprise qui a des valeurs différentes des nôtres, et qu'au contraire, on peut les mettre au service d'une cause à laquelle on croit. Et c'est pour ça que j'ai rejoint Job That Makes Sense, justement, qui est une plateforme qui référence toutes les offres d'emploi euh, de la transition écologique et sociale, et des centaines de formations également pour se former à ces enjeux, et des témoignages et des contenus inspirants. C'est vraiment ouvert à toutes les personnes, toutes qualifications. Euh, à partir du moment où vous avez envie de donner du sens à votre carrière, vous trouverez euh, un, un job euh, qui vous correspond. Euh, alors, allez-y. Qu'est-ce qu'un travail qui a du sens c'est quand on participe à un projet où on peut déployer ses talents. Il faut avoir confiance en soi, mais aussi qu'on nous fasse confiance. Aux EDC, on pense qu'on peut réenchanter le travail, et pour cela, il faut commencer par aimer ses collaborateurs. Commencez par rendre heureux ce que vous voulez rendre meilleur, nous disait le frère théotique. Alors, on arrive à la fin de notre émission. Est-ce que vous pourriez nous donner un conseil pour celles et ceux qui veulent faire un pas de plus dans leur travail Par où on commence pour redonner du sens à son travail Alexandre Un conseil très pratique, ça peut être de prendre du temps pour soi, pour se poser la question du sens du travail dans lequel vous êtes aujourd'hui, dans lequel les personnes qui nous écoutent sont aujourd'hui. Il y a par exemple des retraites. Moi, j'ai animé une retraite il y a quelques années, Repenser mon boulot, les pieds dans l'eau, dans un centre spirituel jésuite en Bretagne, à Penbock. Mm -hmm. Il y a plein d'autres retraites qui existent, pas que jésuites. Euh, voilà, de prendre ce temps pour réfléchir. Voilà, où est-ce que je trouve le sens Comment, comme chrétien, je suis engagé dans mon travail Comment ma, je vis ma foi au travail Donc, prends le temps, faire une retraite, Marie-Hélène, euh, à l'Institut Transition. Quand on accompagne des personnes qui se posent des questions, on essaie de leur proposer trois moyens d'avancer. Le premier, c'est de s'inspirer. Donc, en fait, c'est d'aller rencontrer des personnes, d'aller voir des choses qui. Euh, qui nous aident à réfléchir euh, et puis euh, d'aller euh, commencer à, à lire, à, à se documenter, à voir des choses. Euh, donc il y a de s'inspirer d'un côté euh, et puis aussi se dire que du coup, bah, le changement il est possible et qu'il y a des choses qui ont du sens vers lesquelles on peut aller. Euh, après, il va y avoir être accompagné, ne pas être seul en fait. Parce que souvent, les personnes vont porter ça seul, leur quête de sens. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'important de mettre les choses à distance. Alors, ça peut passer par un bilan de compétences, mais ça peut passer aussi par une retraite, ça peut passer par plein de choses. Et puis, euh, éventuellement, aller vers euh, aussi des structures qui accompagnent et qui aident. Alors, il y a Jobs at Masons qui a été cité comme ressource, mais il y a plein de structures comme ICO à Lyon qui accompagnent. Et puis, la dernière chose, ça va être... D'aller en immersion, d'aller aussi euh, se mettre en mouvement. Ça peut passer par l'engagement bénévole, par exemple, dans des domaines qui nous tiennent à cœur. Ça permet déjà de se mettre en mouvement ça peut être commencer une formation. Voilà, donc c'est ces trois choses-là qui peuvent aider euh, à commencer à, à cheminer sur la transition professionnelle. Eh bien, un grand merci à tous les deux, Marie-Hélène, Alexandre, d'avoir été avec nous pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudate aussi.